Bon, j'imagine que ça devait arriver au bout d'un moment. J'ai été doxé. J'ai pas été doxé genre, ah t'as vu c'est son adresse. Non, j'ai été doxé, bah, vas-y, tu veux lui faire sauter sa maison, vas-y, regarde son adresse, c'est ça. Le youtubeur psychédélique s'est fait doxer la semaine dernière. Pour les geeks, le doxing, c'est le doxing. Mais pour les gens normaux, ça veut dire que quelqu'un qui ne l'aime pas beaucoup a balancé son adresse en public. On imagine bien que ce n'est pas pour lui apporter des nounours en guimauve qu'il a fait ça, mais plutôt pour qu'il soit harcelé. Psyodélique est un youtubeur spécialisé dans le drama. Il sort souvent plusieurs vidéos par jour et il reconnaît volontiers lui-même qu'il est plus dans l'émotion que dans la réflexion. Et comme ses vidéos sont souvent clivantes, il ne s'est pas fait que des amis, notamment sur Twitter où il est souvent la cible de critiques virulentes, d'insultes, voire de menaces. J'allais dire comme tout le monde en fait sur ce réseau social. Et ça ne va sans doute pas s'arranger depuis le rachat par Elon Musk. Bref. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'un rageux a carrément donné publiquement l'adresse du domicile de Psyodélique dans un tweet. Et ça, c'est du doxing. C'est-à-dire publier des informations personnelles permettant d'identifier ou de localiser quelqu'un, son adresse, des photos, des infos privées, en vue de lui causer du tort, tout en appelant plus ou moins implicitement à du harcèlement en ligne, voire à des agressions physiques. On parle parfois du doxing comme étant de la vengeance par procuration. Quant à moi, je préfère parler de vengeance des lâches. Tous ces comportements sont répréhensibles. Ils sont d'ailleurs bien connus du droit pénal depuis longtemps. Il peut s'agir de l'infraction d'atteinte à la vie privée, de la dénonciation calomnieuse, de l'atteinte au secret de la correspondance, de la loi sur les données personnelles ou encore de harcèlement. Et si les choses vont encore plus loin et qu'il s'agit carrément d'un appel au meurtre, alors il y a la bonne vieille loi de 1881. Et oui, celle sur la liberté de la presse dont je vous parle régulièrement ici. La loi de 1881 ? Il y avait déjà Internet en 1881 ? Non, effectivement, Tricotine, tu as raison. L'article 24 de la loi de 1881 prévoit la provocation à la commission d'un crime, que cette provocation soit suivie des faits ou non. Vous le voyez, tous ces textes suffisent à réprimer les infractions commises par l'auteur du doxing. Il ne faut pas s'étonner qu'ils aient souvent été rédigés bien avant l'apparition d'Internet. Mais la loi est volontairement rédigée en termes généraux, et ceci pour tenir compte de tous les cas de figure possibles. Par exemple, lors du premier accident de voiture à la fin du 19e siècle... J'espère que tu avais fait un constat à l'époque. Je ne répondrai pas à sa provocation. Bref, donc, lors du premier accident de voiture à la fin du 19e siècle, on n'a pas crié au vide juridique. On s'est contenté d'appliquer notre bonne vieille responsabilité civile, telle qu'elle a été rédigée dans le Code Napoléon, le Code civil de 1804. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien parce que le législateur actuel n'a plus cette sagesse. Dès qu'il y a un événement d'actualité, un fait divers tragique qui bouleverse l'opinion publique, le législateur se sent obligé d'intervenir en faisant une loi nouvelle. Ça, c'est pour donner l'impression qu'il réagit, qu'il fait quelque chose qui est efficace. C'est ce qui s'est passé notamment lors de l'assassinat révoltant de Samuel Paty en 2020. Pour répondre à cette émotion légitime, notre législateur est donc intervenu et une nouvelle infraction a été créée. Ce texte vise à interdire le doxing. Il s'agit de l'article 223.1.1 du Code pénal. Ce texte interdit de révéler, de diffuser ou de transmettre des informations relatives à une personne tout en sachant que cela peut permettre de la retrouver et donc de l'exposer à un risque potentiel. Bon, c'est évidemment très bien de lutter contre le doxing, bien évidemment, mais il y avait déjà plusieurs textes différents qui disaient à peu près la même chose. Pourrions penser qu'abondance de biens ne nuit pas et que plus il y a de textes différents pour lutter contre la criminalité, mieux c'est. Il n'en est rien. En effet, un texte nouveau, surtout en droit pénal, où la loi est d'interprétation stricte, un texte nouveau crée nécessairement une période d'incertitude. Il faut que la jurisprudence s'établisse, c'est-à-dire que les cours et tribunaux aient déjà appliqué le texte nouveau à plusieurs reprises, et par la méthode essai-erreur-réussite, un peu comme en science, on finit par avoir une interprétation uniforme de la loi. On dit alors qu'il y a jurisprudence constante. C'est un peu l'équivalent du consensus scientifique. L'introduction de cette incrimination nouvelle par le gouvernement Castex l'an dernier, loin de permettre de lutter enfin, hein, je mets des guillemets à enfin, de lutter enfin contre le doxing, est venue créer une insécurité juridique supplémentaire.
dont la justice et la société se seraient bien passées. Quand, dans sa trousse à outils, on a un outil dont l'efficacité et la fiabilité ont été plus que largement éprouvées, un tournevis, un marteau, etc., eh bien, il est inutile de réinventer un outil nouveau à la place de ceux qui existent déjà et qui conviennent parfaitement. La première phase d'utilisation de cet outil nouveau sera nécessairement expérimentale, afin de l'améliorer peu à peu, pour qu'il soit enfin débarrassé de ses défauts de jeunesse et qu'il devienne lui aussi efficace et fiable. Eh bien, pour la loi, c'est pareil. Il faut donc se méfier de ces lois émotionnelles à visée purement médiatique que tous les gouvernements en place ont trop souvent tendance actuellement à sortir de leur chapeau à la moindre affaire. Bien souvent, au mieux elles sont inutiles et au pire elles sont néfastes. Ça, c'est pour le droit. Revenons maintenant à Psyodélique. Voici le message qu'est le dox. Il n'y a clairement pas photo, hein, l'infraction est bien constituée. Il y a l'élément matériel, le dévoilement de son adresse personnelle, l'élément moral, la conscience du risque que ça lui fait courir à sa famille et à lui. Alors que va-t-il se passer maintenant? Psyodélique a déposé plainte. Il y a deux solutions. Soit il laisse faire la justice, soit il se constitue partie civile. S'il laisse la justice suivre son cours, le parquet, le procureur de la République, peut décider de poursuivre. Du moins si l'enquête préliminaire permet de retrouver l'auteur du doxing. Il pourra alors le traduire devant le tribunal correctionnel afin qu'il soit jugé et condamné. Le parquet pourra également classer le dossier sans suite ou encore faire un simple rappel à la loi. Si en revanche Psyodélique se constitue partie civile, il pourra obtenir des dommages-intérêts pour réparer son préjudice, qui est essentiellement moral ici, heureusement. Porte-toi partie civile. T'iras peut-être même pas devant le juge. Si un jour vous avez l'idée de dévoiler publiquement des informations privées concernant quelqu'un que vous n'appréciez pas, avant de le faire, demandez-vous d'abord si vous n'êtes pas en train de faire du doxing. Parce que n'oubliez jamais que les motivations qui animent les auteurs de doxing ne sont pas toujours mauvaises. Certaines personnes peuvent aussi être animées par des motivations purement légitimes. Par exemple, au hasard, la lutte contre la pédophilie, contre le sexisme, contre l'inaction des dirigeants en matière climatique ou contre la maltraitance des animaux, que sais-je encore. Dans tous les cas, que les motivations des auteurs de doxing soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, les comportements peuvent être les mêmes. Et ce n'est pas aux internautes de se faire justice eux-mêmes. Je ne le répéterai jamais assez, la justice, elle se rend dans les palais de justice, pas sur Twitter ou pas sur Facebook. N'oublions pas que même si les intentions des auteurs de doxing ne sont pas nécessairement malfaisantes, on ne sait jamais ce que d'autres personnes mal intentionnées ou pas très équilibrées peuvent faire des informations personnelles dévoilées publiquement. Par exemple, dans l'affaire Samuel Paty, les parents d'élèves qui l'ont doxé n'avaient évidemment pas prévu les conséquences de leurs actes. Bref. Si vous êtes vous-même la victime d'un harcèlement, d'un doxing, une cellule spécialisée de la police et de la gendarmerie existe. Vous en avez peut-être entendu parler, elle s'appelle Pharos. Le lien est au-dessous. Et l'expérience désagréable de Psyodélique montre qu'elle est réactive. En effet, moins d'une heure après son signalement à Pharos, il a été rappelé par un officier de police judiciaire qui l'a conseillé et l'a aidé à rédiger sa pré-plainte en ligne. J'ai déposé un signalement à Pharos. Dans l'heure, heure et demie, un policier m'a appelé. Je vous tiendrai évidemment au courant de la suite de l'affaire, si suite il y a, et nous la décollerons ensemble. Comme d'habitude dans les commentaires, qu'on apprécie Psyodélique ou pas, la question n'est pas là, on laisse ses opinions au vestiaire. Vous serez sûr de les retrouver en parfait état en sortant. Il peut y avoir quelques poils de tricotine dessus si elle a décidé d'y faire la sieste, mais ça vous fera un souvenir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit gag après le générique. Merci à Psyodélique pour avoir bien voulu accepter de répondre à mes questions. Merci également à Sœur Yes Sœur d'avoir relu ce texte avant le tournage. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas. Ils ont pu la voir avant tout le monde pour les remercier, leur nom est au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne. Par exemple en faisant un petit don, bien sûr, mais aussi en vous inscrivant à mon compte Mastodon ou éventuellement à mon compte Twitter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce réseau social. C'est un petit peu l'équivalent non libre de Mastodon. Et en attendant, vous pouvez regarder cette vidéo au sujet de Sardoche, qui lui aussi a été victime de ce genre de comportement, ou une autre vidéo au hasard de... Vous avez le droit. Je suis en train de me doxer moi-même, comme ça mes fans pourront m'envoyer des croquettes par la poste.